tous les gens. Et du coup, j'aurai rien. Quoi qu'ils les font respawn, je pense, pour juste pour moi. L'exclusivité pour les gaming. Ouais, ils aiment bien tuer quand même. Je l'ai pas eu. Oula, oula. Ok, il a cloué le mur celui-là. Magnifique bug. C'est magnifique les bugs. Vive les bugs. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? D'où tu sors? Lequel? D'où? D'où tu sors? Ah, t'es trop bon pour te retourner, toi. Aïe, 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 aïe. C'est qui me tire dessus là? Ok, c'est bon. Hop. Pose grattage de nez. Allez, il y en a un là. Oula, alors, eux. Eux, pas gentils, eux. Eux, napalm greener. Eux, genre violentissime. Aïe. Eux, genre big violent. J'en ai buté 13. Je pense que j'aurai jamais l'objectif, mais... Wow. Ah, purée. Non. Démembration. Bon, ça suffit, hein. Ok, bon, d'accord. Il y a un petit bug sur... Wow. Wow. Donc, il y a des... petit bug sur sur les je vais mourir. Faut attendre que mon bouclier se régène. Bon, je suis un malade, allez, prendre un peu de vie. Ouais, parce que la bouclier remonte automatiquement, hein, comme dans la plupart des jeux du genre. Mais la santé, il faut trouver des petites boules rouges. Donc c'est logique, c'est clair, c'est sympa. Toi, tu peux mourir, hein, c'est pas en option. Space. Et oui, car c'est le mot que j'aurais dit dans chacune de mes vidéos, c'est space. Il faut que j'investisse dans un chargeur plus grand, je pense. Oh merde, il est derrière moi. Putain, encore une nuit qui gratte. Possible. Je crois qu'on arrive vers la fin, peut-être. Non, je sais pas. Il y a des missions qui durent vraiment longtemps et d'autres beaucoup moins. C'est assez aléatoire. Il y a des grandes. Je trouve que les maps sont assez grandes pour leur type. Et se chargent en même pas beaucoup de temps. Donc. Je reconnais là. Meurs. Oula, 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 oula. On va commencer par lui. On va continuer sur toi. Quand tu m'auras. Merde. Ah, 23 ennemis, je vais peut-être le faire. Putain, mais. J'ai un scorpion là. Aïe! Mais c'est marrant ça, il y en a plus. 24. 25. Ok, lui s'est fait clouer. Ça. Ouais, faut se concentrer sur lui. Ouais, je crois que je l'ai eu en headshot en plus. Ah! C'est bon, je vais utiliser ma compétence. Hé, hey, ma compétence! Quoi? Plus d'énergie? Ah! Tu me le dis que maintenant? Bully! Aïe! Bully, aïe! Et oui, c'est une. Tous à me faire
fatigué. Ouais, vous avez sûrement rien vu, mais c'est... Oui, toi t'es en deux. Toi t'es en deux. Toi t'es en deux. Voilà, voilà. Comment découper façon ninja. Ok, toi tu m'as complètement esquivé, tu m'as bourré la gueule. Voilà, là on joue au ping-pong avec leur cadavre. Alors, on va essayer de clarifier tout ça. Comment ça se présente ici? Toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Enfin, t'étais déjà mort. Et d'ailleurs, il y a un bout de ton corps qui traîne ici. Franchement, hein. Je sais pas où vous avez été éduqué, mais on laisse pas traîner ses affaires un peu partout. Allez, migration de l'autre en cours, allez. Rage quit. Putain. Et je pense que on va se finir là-dessus. Ah bah voilà, c'est fini. Très bien. Oh, ça c'est cool ça. Ah ouais, vous dites quoi face à ça, hein? Hein? Ah bah d'accord, en fait parer ne sert à rien. Je me suis fait buter devant le spawn. Ça c'est marrant ça. Mon flingue est bugué. Ah non, c'est bon. Là je peux quand même tirer malgré ma mort déplorable. Voilà, et là on se casse tous. Point d'extraction. Extraction. Très bien, voilà. Je vais vous montrer le reste, enfin ce qu'il y a à voir après. Et on va finir la vidéo. Donc je pense que je vais la diviser en trois parties. Hein. Pour des raisons d'upload difficiles de ma part. Alors, déjà on quitte. J'en ai tué combien? Total tué un? Vous êtes pas sérieux? D'accord, en fait, en changeant de partie, ça m'a enlevé tout, mais... D'accord. Bon, alors, je vais vous montrer en premier la fonderie. Donc, en gagnant, donc, il y a des schémas hein, que vous pouvez gagner ou acheter. Après, vous pouvez gagner des... Comment ça s'appelle des... Oula, attendez. Vous pouvez gagner des... Voilà, des objets, des items. Putain, temps de réaction. Donc ils sont là pendant les parties et du coup les pouvoir fabriquer des choses avec. Par exemple là j'ai des plaques d'alliage, tout ça, mais il me manque 300 rubido. Donc je sais pas ce que c'est, ça doit être des missions futures de gallium que je n'ai pas. J'en ai aucun non plus. Donc voilà. Ensuite le marché, donc là où vous pouvez acheter tous vos équipements, tout ça, mais bon c'est un peu compliqué. Okay, donc je vais montrer équipement. Donc ça c'est truc en plus. Les armes, toutes celles disponibles, hein, les akimbo, tout ça. Donc, sachant que les prix en comme ça, là, par exemple celle que je montre, le prix c'est de l'argent faux en fait, on va dire. Enfin celui avec le vrai argent plutôt. Et là l'argent en fluo, là, en bleu fluo, c'est celui que vous pouvez acheter. Donc voilà les autres warframes que vous gagnez, pardon. Donc voilà les autres warframes. Donc les autres modes, moi j'ai celui-là par exemple. Ensuite, le marché, on vient de faire contact, vous savez ce que ça veut dire, hein, contact. Voilà, donc là on arrive dans une partie intéressante, donc l'Excalibur, vous pouvez avoir les sentinelles, donc je n'ai pas de sentinelle. Voilà, j'ai pas de sentinelle. Vous pouvez changer les couleurs, je l'ai mis en blanc. Là, donc nous avons celle en doré, donc les améliorations en doré. Et celles-ci correspondent à des trucs rares et aussi donc aux compétences en général qui sont marquées de deux traits. Donc là, vous voyez qu'il me reste deux choses à installer. Enfin, j'ai l'emplacement pour un truc de 2 et j'ai que des trucs de 4, donc ça va pas le faire. Mais vous répartissez en fonction de votre niveau les. Comment ça s'appelle les attaques et les trucs permanents. C'est le même fonctionnement là-dessus, sauf que bah, c'est pas les mêmes améliorations, c'est sûr. Il y a des améliorations pour chaque warframe et chaque arme, donc soit après les types d'armes, hein, donc soit là c'est du pistol, l'autre c'est un rifle, donc c'est un fusil. Et là, vous pouvez voir les autres armes. Donc moi je peux c'est le scanner et le Cronus. Donc, le Cronus, je l'ai pu le fabriquer avec la fonderie.
C'est pas très compliqué. Et donc voilà, là. Alors là, ouh, donc par contre j'ai des choses à mettre. Alors, toucher électrique ou toucher. Oula, putain, électrique, j'en ai plein. Fragat d'organes, acier véritable. Ah, alors attendez, un truc se pose là, c'est que je vais aller chercher mon autre arme, je vais l'équiper. Je vais la déséquiper de ce qu'elle avait. Tac, très bien. Oui, j'en suis sûr. Je me barre. Je reprends le Chronus parce que le Chronus est bien. Il fait plus de dégâts en fait. Voilà, il fait plus de dégâts. Il a une meille... enfin, une moins bonne cadence, mais voilà. Donc... excusez-moi, ça a bugué. Donc je remets. Donc j'avais mis ça et c'est tout. Donc je vais juste configurer comme si. Et donc on va se laisser là-dessus. Vous avez l'argent, la barre d'XP, les statistiques. Hein, donc j'ai joué pendant presque 6 heures à tout casser et j'ai 30 compétences, donc voilà, vous verrez ça quand vous l'aurez téléchargé. Donc sur la plateforme Steam, si vous connaissez pas, vous renseignez, normalement vous devrez connaître. Je vous envoie chier à chaque fois, c'est n'importe quoi. Bon, si je mets à plus, c'est d'animat.